Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec Monsieur Alain Canuel et Monsieur Bertrand Lachance. Tous deux ont déjà fait un premier pas vers le Cameroun dans les affaires. On va commencer par vous, Monsieur Alain Canuel. Juste vous demander de vous présenter avant que je puisse vous poser la première question. Oui, je m'appelle Alain Canuel. Je suis le directeur de développement de projets corporatifs pour mon entreprise, ATI. Alors, nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du Forum des investissements au Cameroun. Dans ce contexte de 50 ans de coopération entre le Canada et le Cameroun, vous avez déjà une expérience déjà réalisée il y a quelques années. Pourquoi vous l'avez fait? Comment vous l'avez fait? Et je sais que derrière, il y a une expertise dans la biomasse. Oui, en effet. Donc, mon idée d'aller en Afrique repose sur deux raisons. Premièrement, j'ai tout le temps rêvé d'aller en Afrique avant de mourir. Puis, je voulais voir la vraie Afrique et pas celle du Nord. Je veux dire, quoique j'ai bien aimé celle du Nord. Et le deuxième projet, c'est que moi, j'opère dans des projets dans le domaine forestier. Et disons, depuis quelques années, depuis plusieurs années, on est en train de développer des nouvelles alternatives. Et un de mes projets, un de mes voyages au Bénin, j'avais un projet d'usine pour la transformation de la tomate et de l'ananas. Malheureusement, l'usine, tout était beau, tout le monde était content, mais lorsque c'était le temps d'installer l'usine, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'énergie. Pourtant, il y en avait partout autour de moi. Alors, on est revenu ici au Canada, puis on a développé un concept où est-ce qu'on pourrait réutiliser la biomasse que m'a donné ou les résidus de bois pour éventuellement les transformer en énergie et avec cette énergie-là, développer un concept de production électrique comme substitut à l'hydroélectrique ou l'énergie électrique produite avec le gaz ou d'autres moyens. On parle là d'investissement, on parle de mise en place d'outils de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience plus particulière et un résultat plus concret que vous avez vu dans la mise en place de vos projets au Cameroun ou dans un autre pays en Afrique? Eh bien, en Afrique, disons qu'il n'y a rien qui a été fait encore à ce niveau-là. Ce que nous avons développé présentement, ou est-ce que nous avons des résultats, c'était le développement d'un broyeur, ce qu'on appelle un broyeur à biomasse. Le gros problème que nous avions chez nous, c'était de produire une biomasse avec une granulométrie puis une configuration qui permettrait une combustion optimale lorsque injectée soit dans la bouilloire ou dans la chaudière. Le deuxième concept que nous sommes en train de développer, c'est un système de turbine en circuit fermé qui, à partir de l'énergie produite par la biomasse, va être capable d'être un substitut à un groupe électrogène, entre autres les moteurs qui produisent de l'électricité, qu'ils soient diesel ou à gaz. Et on sait très, très bien que lors de mon voyage au Cameroun, on avait observé qu'il y avait plus de 50% des arbres qui restent sur le parquet. Ça veut dire que c'est de la biomasse, tel que je l'avais expliqué au ministre Motazé. Au lieu d'avoir des litres de pétrole, vous avez des litres de biomasse. Et cette biomasse-là, elle est renouvelable. En d'autres mots, selon, disons, les accords de Kyoto, c'est considéré comme une énergie propre. Et si jamais on va à la bourse du carbone, qui ne sera peut-être pas demain, mais un jour, c'est que le Cameroun pourrait être indemnisé pour produire une énergie propre. Alors, à ce moment-là, et en principe, aussi bien qu'en théorie, c'est que le pays peut devenir un producteur, disons, d'énergie propre et, disons, faire ses frais. Vous êtes aussi un homme de réseau, j'ai envie de dire. Vous mettez les entrepreneurs en relation et on a la chance d'avoir avec nous aussi, à côté de vous, Monsieur Bertrand Lachance, qui va pouvoir se présenter pour nos auditeurs et aussi nous dire un peu quelle était votre implication et quelle va être ou quelle a été votre motivation à accepter d'être présent sur le marché camerounais. Bonjour, mon nom est Bertrand Lachance. Je travaille pour Pro Hydraulique et PV Hydraulique, qui est une deux filiales de Applied Industrial Technology. Ma fonction est au service technique développement des affaires. J'ai accepté de travailler avec M. Canuel pour les projets qu'on a commencés dans le passé ensemble au niveau des broyeurs pour de la biomasse. C'est un projet qu'on trouve intéressant pour Applied au niveau de la fabrication. Applied, qui est un manufacturier distributeur, pour la fabrication d'équipements et non un distributeur de produits en tant que tel. On est des custom-made, qu'on pourrait dire. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de se faire connaître. Aujourd'hui, ma présence ici est de venir voir quel est le potentiel qui pourrait être intéressant pour l'organisation d'Applied. Quelle est votre approche sur le marché camerounais? Est-ce qu'il va toucher uniquement l'investissement, l'exportation de machines, l'intervention dans des projets structurants? Quel est un peu, au-delà de cette première approche-là, est-ce que vous avez derrière une volonté aussi d'aller diversifier ou d'arriver avec beaucoup, beaucoup plus d'éléments?
Pour l'instant, je suis ici en tant qu'observateur, que je pourrais dire, c'est ma première présence. On a sûrement, oui, d'autres intérêts à ce niveau-là pour le développement sur place, de la fabrication. Mais pour l'instant, comme je vais vous dire, on est tout simplement à la phase d'analyse présentement de quel est le potentiel que Applied pourrait apporter à ce niveau-là. On vous souhaite bonne chance dans vos rencontres. On sait que c'est un début et il y a toujours une première chance qui se met en place. Est-ce que vous avez visé au-delà du Cameroun d'autres pays autour? Vous avez parlé tout à l'heure de positionnement stratégique pour créer de l'énergie, de la richesse. Est-ce que pour vous, vous travaillez sur d'autres pays en Afrique ou d'autres régions du monde qui pourraient s'identifier au marché camerounais? Pour l'instant, je vous dirais, je travaille en collaboration avec M. Canuel au niveau de la recherche et développement de produits qu'on pourrait produire. Oui, on travaille aussi au niveau de la Côte d'Ivoire pour d'autres projets qu'on a présentement en vision, qui est en étape encore, je vous dirais, là, de mise en marché. Fait que pour l'instant, c'est pas mal les projets qu'on a à mettre en place, mais éventuellement, oui, Applied a vraiment la possibilité, là, la vision de voir augmenter peut-être sa part de marché. Monsieur Lachance, Monsieur Canuel, merci de votre intervention et de votre présence ici en vous souhaitant bonne chance pour vos affaires.